Dans cette vidéo, nous allons voir comment monter un échafaudage sprint de deux niveaux en 5 minutes à l'aide d'un opérateur plus un assistant. Vissez le vérin et sa roue par emboîtement dans le cadre. Puis, avec l'écrou rapide, réglez le vérin à 5 cm de hauteur. Freinez la roue en appuyant sur la palette rouge, puis intégrez l'ensemble des cadres de 1 mètre sans oublier de les verrouiller à l'aide de la goupille et ressort. Posez la première horizontale au niveau du premier barreau directement sur le montant, puis mettez les deux cadres parallèles. Posez la deuxième horizontale à plat sur le premier barreau pour fermer le cadre. Placez de part et d'autre des horizontales les diagonales en opposition en cherchant le barreau à 1 mètre au-dessus. Mettez l'échafaudage à sa place, puis réglez son horizontalité si nécessaire à l'aide d'un niveau à bulle posé sur le barreau horizontal simplement en ajustant les vérins et coups rapides. Avec l'extrémité du garde-corps, visez au-dessus du barreau situé à 1 mètre au-dessus du futur plancher. Cherchez l'appui sur le cadre d'en face et verrouillez avec votre main le barreau à votre hauteur. Débloquez la diagonale rouge et verrouillez-la sur le barreau à sa hauteur. Procédez de la même façon pour poser le deuxième garde-corps. Votre structure est sécurisée et contreventée en une seule opération. Posez maintenant le premier plateau à 2 mètres et actionnez les anti-soulèvements de sécurité situés de chaque côté du plancher. Dès ce niveau réalisé, vous pouvez poser les stabilisateurs. Après avoir plaqué le stabilisateur au sol, serrez solidement le collier à vis au montant situé en face. Dégagez le deuxième bras fixé au stabilisateur et verrouillez-le à 1 mètre sous le premier. Vous pouvez accéder en toute sécurité au niveau 1 par l'échelle intérieure en passant par la trappe du plancher qui se refermera automatiquement derrière vous. Procédez exactement comme précédemment pour monter le deuxième étage. Le sprint vous est livré avec quelques accessoires. Les plaintes de sécurité doivent être emboîtées sur votre plancher de travail afin d'éviter toute chute accidentelle d'objets. L'anneau de levage doit être solidement fixé au montant du sprint et peut ainsi tenir tout seul. La grille anti-escalade est à fixer sur la partie extérieure du premier cadre à échelle pour éviter tout accès inopportun. Enfin, un cadre de passage vous facilitera l'accès à l'intérieur de la structure.